C'est le livre du prophète Isaïe au chapitre 54, le verset 6 à 8, qui dit ceci, je cite, oui, quand une femme renvoyée est désolée, Yahweh te rappelle. Qui gênera la femme de ses premières années, dit mon Dieu. Pour un instant, je t'avais abandonné, mais avec grande tendresse, je viens te rassembler. La colère m'a emporté, et pour un moment, je t'ai caché mon visage. Mais l'amour éternel, c'est ça qui m'intéresse. Mais l'amour éternel ne peut prendre pitié de toi, dit Yahweh, ton Rédempteur. Et dans ce passage, Jésus posera la question, est-ce que une mère peut abandonner son enfant? Et après, Dieu dit, même s'il arrive que les parents biologiques vous abandonnent, moi, Dieu, un père de tendresse, de bonté, de miséricorde et d'amour, je ne pourrai jamais vous abandonner. Donc le ciel ne s'acquiert pas, mais le ciel est une grâce, est une grâce de la part de Dieu, parce qu'il est bonté et miséricordieux. Donc faisons d'entre nous mériter le ciel. On méritera le ciel. Mais si aujourd'hui nous croyons que la résurrection est une réalité, c'est parce que Dieu est à nous, lui Saint-Jean. On peut dire une contradiction entre ce que le prophète dit, parce qu'il dit ceci, oui, quand une femme renvoyée est désolée, il y avait des rappels. Au contraire, ce n'est pas Dieu qui nous abandonne, mais c'est nous qui avons abandonné Dieu. Donc Dieu s'adresse à sa fille. Marthe, oui, tu m'as abandonné. Au moment de te faire, tu m'as abandonné. Mais parce que c'est Dieu plein de bonté et de miséricorde, je me rappelle au moins des bienfaits que tu as fait dans ta vie. Et je viens donc vers toi pour t'accueillir et pour te manifester en miséricorde de mon amour. C'est pour cela que les gens me disent, je suis né de nouveau. Parce que c'est un enfant qui est né de nouveau, on essaie. L'évangile des Écritures dit, tous nous avons failli et tous nous avons péché contre Dieu. Donc il n'y a aucun saint homme sur terre. L'appellation du pape, sa sainteté, ne veut pas dire qu'il est saint. Sa sainteté ne veut pas dire qu'il est saint. C'est un nom, c'est un titre attribué au pape. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est sa sainteté, il n'a pas de faute, il n'a pas de péché. Non, au contraire, Dieu n'a jamais fait un saint saint. Dieu a fait le pécheur un saint. C'est ce que nous devons mettre dans nos têtes. Qui sont ceux que Dieu appelle? Jésus appelle comme ses disciples, comme ses apôtres, Matthieu. Donc on appelle des pauvres. Un péché patenté, c'est lui que Dieu appelle. Dieu n'a jamais appelé un sage. Qui sont ces apôtres? Jacques et Jean, les pécheurs.